meubles. Tada! Claire a eu plus de chance. Ce donut a l'air délicieux. Et le chocolat va le rendre encore meilleur. Ouais, il a l'air encore plus savoureux. Ça fond carrément dans la bouche. C'est pas juste. À moins que, pendant qu'elle est concentrée ailleurs, je vais remplacer cet œuf par celui-là. Chocolat sur chocolat. Elle n'y verra que du feu. Et moi, je vais me régaler. Parce qu'honnêtement, je suis une fan de chocolat. On ne voit même pas la différence avec le vrai. Viens voir maman. Tu vas manger ce truc. Il y a même de la crème au milieu. Mais Claire n'a pas besoin de le savoir. C'est écœurant. Tu peux manger le deuxième si tu veux. Je devrais peut-être goûter. En fait, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Ça va être marrant. Il y en a assez. Peut-être que cela couvrira le goût de l'œuf. Elle le fait. C'est très original. Mais c'est loin d'être mauvais. Je n'arrive pas à croire que je n'y avais jamais goûté avant. Je suis estomaquée. Mais je vais rester avec le mien. Non, attends! Ok. C'est assez intéressant. Ça ne s'accorde pas vraiment avec le chocolat. Après tout, c'est un fruit, non? C'est un peu comme les fraises au chocolat. Je vais en mettre beaucoup. Ça pourrait même être bon après tout. C'est que du chocolat. Oh, la peau est plutôt dure. Je sens à peine le... Oh, si! Ça vient! C'est super amer! Berg! J'aurais bien besoin d'un peu de sauce, mais ce citron fera l'affaire. Ah! Hé! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Là, c'est déjà plus appétissant. Mais pas avec du chocolat. C'est parti pour la douche. Oh, regarde tout ce délicieux chocolat. J'ai déjà mangé des trucs dans le genre. Il y a encore beaucoup à faire. J'aimerais pouvoir le saupoudrer de noix. Claire a-t-elle perdu la tête? Parfait, ça devrait suffire. Elle ne va quand même pas manger ça. Je crois que si. C'est un peu comme cette bonne sauce mexicaine. Vais-je réussir à manger tout le seau? Claire, tu as déjà mangé l'équivalent d'un poulet entier. Je mangerais même les os si je le pouvais. Encore un. Allez, un double. Dire un animal. Un animal affamé. Tu n'es pas encore rassasié? Je crois que j'ai enfin atteint ma limite. Tu devrais peut-être faire une pause. C'est dégueu. Au suivant. On ouvre en même temps. Quoi? Du brocoli? C'est pas juste. Waouh! J'ai eu de la pastèque. Je fais une danse de la joie pour ma pastèque. On dirait que je finis en beauté. Je m'en moque. Hé, hey, j'ai une idée. Vas-y, mon brocoli, dans le chocolat. Le chocolat ne m'a encore jamais déçu. Bon appétit. C'est trop bon. C'est vrai? C'est bon? Oui, j'aime le brocoli. Tu veux échanger? Bon, d'accord, si tu insistes. Ça a fonctionné à merveille. Elle est tombée dans le panneau. À moi la pastèque au chocolat. C'est largement mieux que le brocoli, sans aucun doute. J'ai tellement hâte de manger ça. Oh, c'est le meilleur tour. J'adore.
C'est le moment de goûter ce délicieux brocoli. Waouh, ça va être incroyable! Attends, attends une seconde! C'est pas bon du tout! C'est horrible! Ah, bien fait pour toi! Merci pour l'échange! Oh, je n'arrive pas à croire que tu m'aies piégée! Le brocoli et le chocolat ne vont pas ensemble! Ok, un autre! Oh, merci mon Dieu! C'est quelque chose que j'aime! Des macarons, j'adore ça! Waouh, c'est un bon défi! Attends, c'est quoi cette odeur? C'est moi? Peut-être mes chaussettes? Bug, je la sens aussi maintenant! Je crois que ça vient de ta cloche! Oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui sent mauvais dessous! J'ai un peu peur de ce qu'on va découvrir! Puant! Oh là là! L'odeur est très puissante! Désolée, mais cette fois, je suis contente que ça ne soit pas tombé sur moi. C'est le moment de tremper mes macarons. Ça, c'est ce qu'on aime! Il va être tellement bon! Mmh, si croustillant et sucré! Ça valait le coup de manger la pieuvre et le piment avant! Ah, je suppose que je dois goûter ce fromage puant. Mais pour ça, il va me falloir le bon équipement. La sécurité avant tout, c'est ce que je dis toujours. Et ce sera peut-être bon comme les yeux. Il faut vraiment que je mette beaucoup de chocolat. Oh là là, j'espère que ça va suffire. Allez, qu'on en finisse. Vraiment comme pour les yeux. C'est bon? Si tu le dis, je vais garder mes macarons. Tu es prête? Oh, désolée, je dois répondre. C'est super impoli. Lizzie! Lizzie! Je reviens tout de suite, désolée. Il ne me reste plus qu'à attendre. Mourez, zombie! Tout le monde met la musique à fond! Ah, ces cuticules! Voilà! Elle n'est même pas dans le coin! J'en ai marre d'attendre! Ha! Ce ne sont pas vraiment des excréments, si? En tout cas, c'était vraiment répugnant! Et pour moi? Ma tablette de chocolat préférée! Et je dois continuer à attendre. Je vais donner une leçon à Lizzie. C'est parti. Le chocolat devrait bien fondre. Voyons voir. Ah oui, c'est bien prêt. Je vais faire une petite ouverture ici. Coupe. Il a vraiment bien fondu. Je vais juste goûter. Avant que je ne lui donne la forme de... vous savez quoi? Le chocolat a vraiment plein d'usages différents. Ce joli tas devrait faire l'affaire. Elle est parfaite. Je crois que j'entends Lizzie revenir. Faire comme si de rien n'était. Je suis trop désolée. Pas de problème. Il est temps de soulever ses cloches. Quoi? Quelqu'un a vraiment fait ses besoins sur mon assiette? Elle est tombée dans le piège. Ça va aller, Lizzie. La mienne est plutôt mignonne, non? Je te la donne. Qu'est-ce que c'est que ça? Il dit qu'on devrait échanger. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais mon assiette? Tina? Ça a l'air plutôt bon, non? Bon appétit! Je crois que je vais vomir. Je t'en prie, arrête de manger ça, Tina. J'ai envie de plonger ma tête dedans. Tu as officiellement perdu la tête, ma pauvre fille. Ça lui apprendra à décrocher son téléphone.